Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 septembre, 266e jour de l'an de grâce 2013. Et quand sont 21h, c'est l'heure de lundi sport. De quoi allons-nous parler ce soir? À cette question, nous répondrons si la réalisation veut bien nous en donner les images. Basketball et la Coupe d'Afrique des Nations des Dames, autrement dit l'Afro-Basket Dames. Après une victoire d'entrée face à l'Algérie, nos basketteuses se sont inclinées face aux Sénégalaises. Elles ont heureusement relevé la tête ce lundi face à l'Égypte. La commission de réforme du sport en Côte d'Ivoire a rendu les conclusions de ses travaux de réflexion au ministre des Sports. Quels en sont les grands traits? Que nous propose-t-elle pour l'avenir du sport en Côte d'Ivoire? Éclairage dans ce numéro de lundi sport. Et puis les derniers échos de la 7e édition des Jeux de la Francophonie de Nice, nos envoyés spéciaux en France sont de retour, tous, sans exception. L'un de nos envoyés spéciaux, en l'occurrence Anne-Marine Guessant est sur ce plateau, en compagnie également de Ange Assoukou, qui lui n'était pas à Nice, mais est toujours heureux de vous servir. Bonsoir à toutes et à tous, très chers téléspectateurs, et merci de suivre cette émission Lundi Sport. On va démarrer avec l'actualité donc du moment, et en l'occurrence le basketball. Après les hommes, donc les dames maintenant, l'Afro-Basket des dames a démarré il y a quelques jours à Maputo, au Mozambique. Naturellement, la télévision ivoirienne a dépêché sur les lieux ses envoyés spéciaux pour vous permettre de vivre cette compétition. Daniel Kobi-Kualo et Eric Koula sont à Mogadiscio. Dans quelques minutes, nous allons entrer en contact avec Daniel Kobi pour nous faire le point déjà après quelques jours, après trois journées précisément donc de cet Afro-Basket 2013. Commençons avec la rencontre qui a opposé aujourd'hui même la Côte d'Ivoire à l'Égypte. Les éléphantes, s'il faut bien les appeler comme ça, avaient le devoir de relever la tête, et je le disais donc dans les titres, eh bien, elles l'ont fait cet après-midi face à l'Égypte. Voici le compte-rendu de Daniel Kobi-Kualo et Eric Koula. Deuxième victoire de la Côte d'Ivoire avec des filles un peu plus fraîches physiquement. Devant l'Égypte, la Côte d'Ivoire a abordé le premier quart-temps avec une défense haute, étouffant son adversaire, 23-7. Le deuxième quart-temps est laborieux pour Kani Kouyaté et ses coéquipiers qui n'arrivent pas à sortir des trappes égyptiennes. Ahmed Agar et Afifi Ndji jouent les tours de contrôle en défense. Heureusement pour la Côte d'Ivoire, Cissé Mamiki et Berthe Salimata sont plus lucides, à mi-distance. Ce qui permet aux Ivoiriennes d'aller à la pause avec 13 points d'avance, 38-25. L'agressivité en défense et les interceptions sont le jeu des Ivoiriennes au troisième quart-temps, 56-38. Une belle avance qui permet au coach Djadji Clément de faire tourner son banc et de donner du temps de jeu à toute l'équipe. 72-54 pour la Côte d'Ivoire qui signe sa deuxième victoire. Alors, il descend Ange Assoukou. Après, donc, on va dire la mauvaise fin de l'Afro-Basket des hommes, parce qu'il faut bien quand même féliciter ces hommes qui nous ont permis de renouer avec le beau basketball, même ouais. Si ça s'est terminé, on va dire, sans cette qualification pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous attendez-vous de ces dames? Sont-elles capables d'exploits au Mozambique? Bon, pour ce qu'elles nous ont montré au jeu de la francophonie, je pense que les basketteuses ivoiriennes sont capables d'être sur le podium à cet Afro-Basket féminin au Mozambique. Et je crois qu'elles ont été quelque peu émoussées par le voyage, par la haute compétition déjà au jeu de la francophonie. C'est cela qui a... J'explique un peu la défaite face au Sénégal. Elles étaient un peu émoussées, trop de débauches et d'énergie, mais je crois qu'elles peuvent s'y ressaisir. Et elles ont démontré déjà face à l'Égypte. Donc je crois que ces dames-là, amenées par Kani Kouyaté, elles peuvent prétendre être sur le podium de cet Afro-Basket féminin. Est-ce que vous avez espoir? Oui, j'ai espoir, surtout que vous savez que depuis quelques temps maintenant, en Côte d'Ivoire, ce sont les femmes qui gagnent. Il y a le cas Muriel Aroué, il y a ces mêmes dames qui étaient à Nice, qui sont revenues avec la médaille d'or. Et bon, pour le moment, ce sont les dames qui sont motif de satisfaction dans le sport ivoirien. Alors, pourquoi ne pas avoir encore un espoir? Alors, dans quelques instants, on essaie d'entrer en contact avec Daniel Kobi, donc, qui se trouve au Mozambique, à Maputo. Voici donc les réactions après ce match entre la Côte d'Ivoire et la République arabe unie d'Égypte.
C'est dur, mais c'est comme ça. On a les cinq majeurs et puis celles qui viennent pour permettre aux cinq majeurs de souffler. Et effectivement, c'est celles qui viennent permettre aux cinq majeurs de souffler qui n'ont pas rempli correctement leur rôle, parce que on a vu effectivement qu'on avait des paires de balles, il y avait des placements en défense qui n'étaient pas corrects, on prenait des paniers sous la raquette, etc. Mais bon, c'est un peu ça. La dernière fois, malgré la défaite, l'équipe avait mieux joué, hein, je pense. Et là, bon, c'est peut-être parce que l'adversaire n'est pas, peut-être pas de taille, je ne sais pas trop, mais en tout cas, la dernière fois, malgré la défaite, c'était mieux que aujourd'hui. Peut-être qu'on menait beaucoup et peut-être on s'est relâché. Et quand on est revenu de la mi-temps, le coach a essayé de nous dire qu'il n'était pas encore gagné. Un match, c'est 4-4 ans. On a eu de la réussite au premier quart-temps et au deuxième. Il fallait qu'on continue encore. Donc, c'est par là qu'on a tout donné, on a gagné. Dans cette compétition, il faut chercher une bonne place et croiser une équipe que tu sais que tu peux battre dans l'autre poule. Donc moi, je pense que c'est un choix du coach, c'est tactique. Il voulait faire tourner tout le monde, qu'ensemble, nous puissions aller de l'avant, je pense. Qu'est-ce que vous pensez de cette tactique? Non, mais je n'ai pas bien compris le propos de l'entraîneur. Il dit que la dernière fois, elles ont bien joué, mais elles ont perdu. Et le jour où elles ont gagné, elles ont mal joué. Bon, je ne sais pas s'il faut mal jouer et puis l'emporter, mais en tout cas, je pense qu'il est en train de remettre ces dames sur les rails pour qu'elles puissent valoir des satisfactions. C'est toujours bon, après une première défaite, d'entrer, ce qui peut arriver dans une compétition, de pouvoir relever la tête et puis de partir de l'avant. Alors, on rappelle quand même qu'elles ont commencé avec une victoire, ce qui a suscité beaucoup d'espoir avant de tomber. C'est la défaite justement contre le Sénégal, parce que c'est quand même encore une fois le Sénégal qui nous a privé du mondial chez les hommes, et qui a donc battu la Côte d'Ivoire. Revenons d'abord sur le match introductif donc de l'équipe nationale féminine de basketball dans cet Afro-Basket, c'était face aux Algériennes. Après deux longs jours de voyage, les Ivoiriennes arrivent à l'Afro-Basket Dames 2013, le vendredi 20 septembre, aux environs de 16h, heure locale à Maputo. Deux heures après, elles livrent leur première rencontre face aux Algériennes. Le premier quart-temps est facile, mais dans le deuxième et surtout au troisième quart-temps, la Côte d'Ivoire joue de maladresse et de précipitation et montre des signes de fatigue. À égalité avec les Algériennes, à droite à 3 points, les Ivoiriennes, sous la houlette du coach Djadji Clément, vont d'abord presser en défense et mettre sur orbite en attaque Salimata Bété à 3 points par 2 fois. Pendant que Kani Kouyaté, la capitaine, elle s'employait à coller des fautes à l'adversaire. Victoire difficile pour la Côte d'Ivoire, mais précieuse pour entamer cet Afro-Basket de Maputo. 56-48. C'est une équipe que normalement on devrait battre plus facilement. Mais les conditions dans lesquelles nous sommes arrivés ici, je pense que c'est normal que le match devienne dur. Parce qu'on est resté 2 jours sans entraînement, 2 jours à voyager, pas de pause. Vraiment, c'est dur. Il faut louer vraiment le courage de ces filles parce qu'on leur demande quand même des choses difficiles. Elles arrivent tant mieux que mal. Puis bon, voilà, je pense qu'il faut les féliciter. C'est une grande compétition, hein. Il faut impressionner, puis il faut jouer ce qu'il y a à jouer. Parce que quand tu commences une compétition de cette envergure, il n'est pas question de venir à tâtons. Il faut jouer le basket qu'on doit jouer. La deuxième rencontre face au Sénégal, vainqueur de l'Égypte 100-64, sera une autre réalité. Alors, je trouve que ça fait un peu bizarre. Hein. Elles font un voyage, un long voyage. Elles gagnent et puis quand elles sont, elles ont eu le temps de se reposer. Elles viennent de Nice, escale à Abidjan pour recevoir quelques félicitations. Elles vont aussitôt pour un long voyage, comme l'a expliqué Djadji Clément. Et là, elles gagnent. Et puis, lors de la deuxième rencontre contre le Sénégal, là où il y a eu... Bon, cela dit, il n'y a pas eu de repos, c'est quand même le lendemain, hein, parce qu'on enchaîne jour après jour. Oui. Il n'y a pas de repos entre les journées. Donc, Oui, mais bon, là, elles n'ont plus voyagé. Là. Donc, logiquement, ça devait... Mais dans tous les cas, une victoire, une défaite, bon, elles sont encore sur la bonne voie. Il faut les encourager, surtout pour la brillante prestation qu'elles ont eue à Nice et espérer qu'elles soient toujours dans ce sillon-là pour aller le plus loin possible dans cette compétition. On en arrive à cette rencontre entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire après la victoire introductive
face à l'Algérie. On se dit, bon, elles sont dans l'Afro-basket, elles vont donc balayer les Sénégalaises. Eh bien non, Sénégalaises quand même qui ont un palmarès éloquent aussi hein, dans cette compétition, qui ont fini par avoir raison des dames de la Côte d'Ivoire. On retrouve le duo Daniel Kobi Kwalo, Eric Koula, Silver. C'est une équipe de Côte d'Ivoire visiblement fatiguée qui a fait le lit de la victoire au Sénégal pour sa deuxième sortie. En début de partie, la bonne défense haute de la Côte d'Ivoire déjoue les plans du Sénégal. 4-0 après 3 minutes. Mais en attaque, beaucoup de déchets dans le dernier geste à l'image des grands. Fofana Minata et Kariatou. Touré Moussa, le coach sénégalais, revoit son groupe et met des joueuses plus rapides pour remporter le premier quart-temps. 13-9 et aller à la pause avec 8 points d'avance, 29-21. Le retour de la pause est catastrophique pour la Côte d'Ivoire, malgré la bonne défense de presse. Les filles n'osant pas provoquer la défense adverse. En 9 minutes, la Côte d'Ivoire n'a inscrit que 4 points contre 13 pour le Sénégal. 42-29. Le quatrième quart-temps sera mieux géré par Kani Kouyaté et ses camarades, avec un peu plus d'audace en attaque, obligeant Ndeinde et ses coéquipières a bloqué à 50 pendant les 5 dernières minutes de la rencontre. Score final, 50-35 pour le Sénégal. Un réveil tardif qui devrait servir de leçon à l'encadrement pour remobiliser l'équipe. De son côté, le Mozambique, pays organisateur, n'a pas fait de la dentelle pour sa première sortie. Dans une salle comble et devant son public, les filles du coach Nassi Salé ont dominé les Égyptiennes, 105-53. Une deuxième défaite à 100 points pour l'Égypte après celle contre le Sénégal la veille, 100-64. Cela devrait inspirer les Ivoiriennes qui seront opposées aux Égyptiennes cet après-midi pour le troisième match du groupe B. Alors, Daniel Kobi est en ligne donc au téléphone. Avant de nous entretenir avec lui, on va écouter les réactions d'après Sénégal-Côte d'Ivoire. Moi, je considère qu'elles ont une bonne préparation physique et moi, je ne fais que mettre ma méthode de travail. Ok? Et c'est ce que j'ai fait. Donc, moi, j'estime qu'elles sont prêtes physiquement. On ne peut pas venir à la flot et ne pas être prêtes. J'ai analysé un peu le match du Sénégal. Comme elles étaient grandes, donc il fallait mettre un choix tactique où ça va amener les joueurs à réfléchir sur le terrain. Et j'ai vu que ça commençait à marcher. Et j'ai insisté dessus, après ils ont compris. Et j'ai changé encore de stratégie défensive. Ça c'est vrai, il faut changer la stratégie suivant le match. Donc on a des filles qui sont très expérimentées, un peu lentes. Quand on a vu que le match était un match de vitesse, donc on les a mis sur la touche. Il y a Traoré qui se rentre dans la lecture du jeu, comme c'était pas son jour, on l'a mis sur la touche. Et voilà aussi, on l'a mis sur la touche. Donc c'est comme ça qu'on a eu des matchs depuis un jour avec. Alors voilà, on a fait la stratégie. Alors, j'ai mis les filles les plus rapides, les plus explosives, les plus fortes. J'avoue qu'il y avait une intensité de la part des Ivoiriens, mais il y avait aussi le manque d'argent chez nous. Et on était un peu pressés, à mon avis aussi. Donc on n'a pas pu gérer comme il fallait. Et on a toujours en profité. Daniel Kobi Kwalo est donc notre envoyé spécial, l'un de nos envoyés spéciaux. Daniel Kobi Kwalo, bonsoir. Bonsoir Benson. Voilà, merci d'avoir attendu un peu tard donc la nuit pour participer à cette émission. D'abord, je voudrais juste avoir une information. Est-ce que ça se passe comme avec les hommes? Tout le monde est qualifié malgré toutes les défaites ou le règlement est tout à fait différent? Non, à la fois basket des dames, il y a deux groupes au lieu de quatre contre quatre chez les garçons. Alors donc il y a six équipes dans les groupes et les quatre premiers seront qualifiés pour les quarts de finale et les deux qui occupent les dernières places dans le groupe seront relégués pour jouer les matchs de classification.
Alors, donc, ça veut dire que dans chaque poule, donc, on ne prendra que 4 sur 6 pour les quarts de finale, c'est ça? 4 équipes par poule. Alors, à ce stade, est-ce que on va dire nos dames sont plutôt sur le bon chemin, non? Après 3 rencontres, 2 victoires et une défaite. Oui, c'est fait exprès. Après, c'est ce que nous disent les coachs. Elles cherchent une bonne place. D'abord, ne pas prendre la première place. Ça s'est passé, c'est déjà avec une défaite. Mais au moins occuper la deuxième ou la troisième place pour pouvoir avoir une bonne équipe, une équipe de moins niveau en face pour jouer les quarts de finale. Je crois que c'est ce que nous a dit ce soir la capitaine de l'équipe, Kanu Kouyaté, en conférence de presse. Alors on a parlé de voyage difficile. C'est si long que ça? Si difficile que ça ce voyage? Oui, alors, vous savez qu'elles viennent de remporter le tournoi de Nice à la francophonie. Elles sont rentrées à Abidjan le 16. Le 18, il fallait être à la disposition du comité d'organisation, donc la Pro Basket à Maputo. Elles ont quitté le Abidjan le 19 très tôt le matin. Elles ont dormi à Addis Abeba. Et puis elles sont arrivées ici le 20, aux environs de 16 heures. À 18 heures, elles avaient leur premier match. Et ça s'est senti. C'est vrai qu'elles ont gagné l'Algérie, mais difficilement. Et ça s'est vraiment ressenti devant le Sénégal, dans l'ordre de la deuxième sortie. Alors, elle rencontre le pays organisateur, je crois, pour le prochain match, donc le Mozambique. Demain, ce sera une autre réalité, ouais. Vous l'avez dit. Le pays organisateur, le Mozambique, devant son public, et une équipe explosive qui a encore battu, donc a remporté une troisième victoire ce soir. Donc, ce ne sera pas facile. Maintenant, il reste aux filles de prouver ce qu'elles savent jouer comme basketball. Elles ont une bonne défense, tous les observateurs le disent, mais dans le deuxième et le troisième quart-temps, souvent, elles fléchissent pour revenir dans le quatrième. Souvent, il est trop tard. C'est ce qui s'est passé hier devant le Sénégal. Et on retourne dans cette équipe du Mozambique, la jeune dame qui avait ébloui le public d'Abidjan en catégorie de juniors notamment, Deolinda Ngele est là. Deolinda Ngele, elle est là, elle est présente, capitaine de l'équipe, meneuse de l'équipe, et qui sait donner du tempo à cette équipe de Mozambique. Quand elle veut, au rythme de l'adversaire en face, donc elles arrivent facilement à se défaire. Ce soir, elles ont gagné péniblement, c'est vrai, parce que la fatigue aussi se fait ressentir au niveau de toutes les équipes. Mais elles ont 3 victoires et elles sont bien parties pour remporter, pour occuper la première place dans le groupe A. Alors, Anja Soukou, une question pour vous, Daniel. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Anja Soukou. Alors, côté ivoirien, quelles sont les filles qui répondent bien au terme des 3 premiers matchs? Je crois que c'est ici, pour répondre à cette question, je dirais que c'est un groupe, hein, c'est un groupe qui est amené par la capitaine Kanu Kouyaté. La meneuse attitrée nous a lâché à Nice. La difficulté de la Côte d'Ivoire se trouve surtout au niveau des meneuses. On a pris 2 à Abidjan pour compléter, pour aider celles qui restaient, mais c'est pas facile du tout. Pour les meneuses. Donc souvent, les plus grandes ou bien les plus expérimentées, Salimata Berté et Kanu Kouyaté, se transforment en meneuses, mais ce n'est pas facile. Si elles jouent meneuses, qui va jouer intérieur et qui va jouer ailier? Donc c'est un peu ça, c'est un groupe qui joue avec le cœur, mais la difficulté se trouve surtout au niveau de l'absence d'une bonne meneuse. Voilà, Daniel Koulikolo, il est 23h, environ 18 minutes, donc à Maputo. Maputo, oui. Je sais que les journées sont très difficiles dans l'afro-basket. On l'a vécu avec vous chez les hommes. On vous permet de vous reposer. Oui, parce que la journée commence dès 10h, le premier match, et qui s'achève à 23h. Alors, le patron attend beaucoup d'images de vous. Hein. En tout cas, merci pour les éléments qui sont déjà arrivés. Et donc, on attend les éléments pour demain. Oui, pourquoi pas. Juste après le match de Côte d'Ivoire, qui sera à 19h. Heure locale ici, 17h à Abidjan. Donc, juste après le match, on va balancer 2 éléments, si possible, peut-être pour le journal. D'accord. Écoutez, nous faisons confiance et faisons confiance à votre expertise, donc, à la matière. Vous transmettrez toutes nos salutations à l'autre envoyé spécial, Eric Koula. Il est juste à côté de moi. D'accord. Allez, bonne soirée à vous et puis on vous reprend certainement pour d'autres plateaux et à l'occasion donc de cet Afro Basket 2013 des dames. Merci beaucoup, Daniel Koulikolo.
Et merci à Eric Moulin. Merci Vincent. Nos envoyés spéciaux donc à Maputo, au Mozambique. On va parler de l'organisation de l'ECOMI. D'ailleurs, on va terminer donc sur ce sujet ce soir avec l'ambiance et l'organisation donc de cet Afro Basket 2013. C'est un sujet donc que nous propose ou que vous propose nos envoyés spéciaux. L'Afro Basket 2013 des dames se déroule dans la salle du club de Massakwene à Maputo. Une petite salle qui contient mal le public. Toutes les zones de sécurité sont envahies par les marchands de friandises qui déambulent et font leur petit commerce pendant les rencontres. Les tout petits ont trouvé une belle ambiance pour courir et se glisser entre les plus grands. Dans les tribunes, les couleurs et les pas de danse rythment les matchs. Presque un carnaval. Comparé à Abidjan, on dira que c'était l'afro-basket des hommes. Il fallait mettre un peu plus de sérieux dans l'organisation. À Maputo, chez les dames, c'est une autre réalité. Pas d'ascenseur, pas de loge VIP, pas de vestiaire pour les équipes, comme exigé et imposé à la Côte d'Ivoire. Vraiment, deux poids, deux mesures. Ainsi va l'Afrique. Et comme le faisait remarquer Eric Néron, notre réalisateur, quand il y a deux poids, il y a forcément deux mesures. Non, mais dans tous les cas, cela nous a permis d'avoir une belle salle aujourd'hui et des salles annexes. Ah bon, c'est tant mieux pour nous. C'est le plus important d'avoir. Salle que malheureusement, malgré tout ce qu'on a décliné, salle qui va servir malheureusement à d'autres fins que les fins sportives. Et bon, ça aussi. Non, on espère que non. Ben, malheureusement, ben, vous connaissez l'actualité. Quand le congrès d'un parti donc annoncé dans cette salle, malheureusement, c'est. Bon, on a beau le dire, vous savez, c'est comme ça. Il faut bien l'accepter. L'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire organise le mercredi 25 septembre à 10h à la maison de la presse d'Abidjan, MPA, sa tribune dénommée Forum de l'UNPSI. La rencontre portera sur le thème Taekwondo ivoirien, politique de formation et compétitivité internationale aura pour invité Maître Bamba Achek Naniel, président de la Fédération ivoirienne de Taekwondo. Et donc, évidemment, tous les journalistes spécialistes de sport sont invités à participer. Évidemment massivement à cette importante rencontre, on va dire la première grande rencontre donc de l'ère Magloire Diop, le président donc nouvellement élu de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire. On parlait de handball, Anne-Marie Nguessan avec vous. Voilà, le ministre des Sports a reçu donc la Fédération ivoirienne de handball pour aplanir donc quelques différends. Voilà, et le moins qu'on puisse dire, c'est que rien ne va toujours à la Fédération ivoirienne de handball, malgré la brillante élection de Ouérega Joseph en août dernier à la tête de cette Fédération ivoirienne de handball. Rien ne va et le ministre a décidé de se saisir de ce dossier-là pour essayer de régler le problème qui prévaut à la Fédération une bonne fois pour toutes et ce qui a suscité, bien sûr, deux réunions. La première a eu lieu jeudi dernier et la deuxième a eu lieu cet après-midi même. Et au sortir de cette réunion, bien sûr, nous avons tendu notre micro au ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Alain Le Bougnon. Depuis janvier 2013, il s'est implanté ce que nous appelons une crise voulue par ceux qui se font passer pour les dépositaires du handball en Côte d'Ivoire. Le président d'alors, M. Ouérega Joseph, estime que c'est lui ou rien. Mais ce qu'on oublie, il y a d'autres candidats qui également veulent diriger la fédération, mais qui estiment que le jeu doit être démocratique, le jeu doit être ouvert. Et malheureusement, nous n'avons pas assisté à tout ça. Il y a eu, contre notre avis, une élection en juin dernier portant à la tête de la fédération M. Ouérega Joseph. Nous disons attention, toiletter d'abord les tests et puis organiser une élection. C'est cette réunion à laquelle nous avons convié donc l'ensemble des partis qui s'est tenue jeudi dernier et qui vient de s'achever avec la deuxième séance au cours de laquelle une partie des acteurs n'a pas voulu répondre présente. Ce qu'on nous demande, c'est de dire au gouvernement de se retirer de la vie du handball. Le gouvernement est prêt à se retirer. Comme c'est le vœu de certains qui pensent que le handball est une chose familiale, le gouvernement peut se retirer. Mais ce que nous disons, il ne faudrait pas prendre le nom de la Côte d'Ivoire pour aller à l'extérieur, comme c'est le cas. Vous avez un club, qui est l'Africa Sport d'Abidjan, handball, qui refuse de reconnaître les décisions prises
pas la tutelle et qui veut engager la Côte d'Ivoire dans une compétition internationale. Nous disons non. C'est pas normal. C'est l'État qui décide et on ne va pas piétiner l'État. Alors, sur la question, je veux votre avis. Anja Soukou, Marie. Anja Soukou. D'accord. Bon, moi, je pense qu'il y a eu l'Assemblée générale. On a pensé tous que le problème à la Fédération ivoirienne de handball était résolu. Si le problème ressurgit, bon, je ne sais pas que deviennent ceux qui ont été élus récemment. Je n'ai pas cru les voir sur ces images qu'on a vues tout à l'heure. Peut-être il faut aller aussi les interroger pour voir ce qui se passe. Mais il faut que tous ils s'asseyent. On a vu ce qui s'est passé ici avec l'Afro-Basket. La Côte d'Ivoire était au firmament du sport africain, pourquoi pas mondial, pour nous qui l'avons vécu de très loin. Alors, revenir et puis voir maintenant les handballeurs qui sont en train encore de se tirer les cheveux ou bien de se tirer des balles dans les pieds, qui se retrouvent et qu'ils fassent en sorte que réellement, comme on ne le voit pas depuis un certain temps, que le handball qui a valu tellement de lauriers à la Côte d'Ivoire renaisse définitivement. Alors, on n'a pas toujours été en phase avec les décisions du ministre des Sports, mais sur la question, quand même, on a bien quand même oublié d'être un peu d'accord avec lui. Parce que, on a dit ici qu'il n'y a pas de championnat, qu'on ne participe même pas au championnat donc, qui permettait au moins de permettre à la discipline d'évoluer. Et puis, tout d'un coup, on doit aller représenter la Côte d'Ivoire sans avoir disputé aucun match, aucun championnat. Voilà, avant de venir à ça, je voudrais d'abord répondre à Ange tout à l'heure s'il avait, et si on a entendu le ministre dire tout à l'heure que les clubs, le président Ouéga avait été invité, mais il n'a pas répondu présent, il n'est pas venu à cette réunion-là. Donc son absence a été tout simplement constatée. Sinon, elle a été conviée à cette réunion-là. Tous les acteurs du handball ivoirien ont été conviés à cette réunion. Mais ils ont décidé de ne pas venir, le président Ouéga et sa suite. Justement, c'est parce qu'il y a un problème que la réunion a eu lieu. Et la crise continuera étant donné que tous les acteurs n'ont plus être réunis. Bon, voilà. Il y a la Coupe d'Afrique qui s'annonce et que l'Africa, qui était engagé, qui était le champion de l'année dernière, veut participer. Je pense que c'est tout là le nœud du problème. Voilà, sans avoir joué un match de championnat en Côte d'Ivoire. Oui, et là, le ministre a pris ses responsabilités pour dire niet, il n'est pas question que l'Africa Sport participe à cette compétition africaine étant donné qu'il n'y a pas eu de championnat ici. Mais je pense que tout le problème est là. C'est-à-dire que ceux qui ont été élus récemment, eux aussi, ne reconnaissent pas le championnat qui a été organisé. Oui, non, moi, sur la question, après le moment où il y a une élection, il me dit, bon, on a plané tout, on repart pour l'année prochaine au moins, oui. Pour une nouvelle compétition, mais on va pas engager la Côte d'Ivoire, des clubs qui n'ont disputé aucun match de championnat, aucune compétition. Ben, en tout cas, sur le plan local, on m'a dit que l'équipe s'est préparée comment... La Côte d'Ivoire a bien remporté la Coupe d'Afrique des cadets. Oui, mais on n'a pas joué les championnats des cadets. Si, avec des joueurs quand même qui évoluent dans mais des là, clubs, là où il y a la différence. Championnat régulier. En Ligue 2, en Ligue... Oui, mais il n'y a pas de championnat des cadets. Oui, Benson, je voudrais là où il y a la différence avec les cadets, c'est que les cadets reconnaissent quand même l'autorité du gouvernement. Bien mais sûr. Il se trouve que la fédération, sinon les nouveaux, le président de la fédération et ceux qui sont engagés avec l'Africa Sport dans cette compétition africaine, ne reconnaissent pas le comité ad hoc qui a été mis en place. Cela va de soi qu'ils ne reconnaissent pas non plus l'autorité du ministre actuel de code qui est en charge des sports. Donc tu peux pas engager, vous ne pouvez pas engager votre équipe au nom de la Côte d'Ivoire et défier la tutelle que vous ne reconnaissez pas. Donc c'est là que le ministre dit pas question. On va peut-être pas ne pas reconnaître l'autorité. Mais non, en tout cas, on reconnaît c'est un peu dit. Ouais, peut-être on va dire que on veut évoluer en dehors en fait. En dehors du gouvernement. C'est ça le problème. C'est là que le ministre intervient pour dire qu'il n'en est pas question. Si l'Africa Sport doit sortir, ça sera au nom de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est un peu le gouvernement. Moi, c'est beaucoup le gouvernement, d'ailleurs. Voilà. D'accord, mais dans tous les cas, c'est une association privée. Je pense qu'il y a un président qui a été nouvellement élu. Il n'est pas là à la réunion. Peut-être aller vers lui pour savoir qu'est-ce qui se passe encore dans ce... Ce qui a relevé aussi, Benson, c'est qu'on dit toujours que c'est privé, mais quand il s'agit de décaisser, on se rapporte toujours à l'État. Donc, forcément, celui qui décaisse, forcément, il a un droit de regard sur ce qui se passe. Oui, mais à l'État, il a un droit de regard. Ça, c'est un droit qui lui est reconnu. Tout à fait. Mais. Je l'ai dit pour le moment sur les règles de la loi, en tout cas au niveau de la législation des clubs. Vous avez beau être club, seul le gouvernement et la tutelle sportive, pour le moment, régente la vie.
du sport en Côte d'Ivoire. Je pense que là, c'est le minimum sur lequel au moins il faut convenir. Sinon, il y a problème, forcément. Sinon, il y a problème. Le directeur de cabinet du ministère des Sports nous a rejoint pas pour parler de handball, M. Sila Moumouni. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, on va parler donc de la commission de réforme du sport en Côte d'Ivoire qui a remis donc les conclusions de ses travaux il y a quelques jours donc, au ministère des Sports. C'était vendredi dernier. Donc au ministère des Sports et Loisirs. On va voir le sujet donc proposé par Aude Margot Alébé. Et avec vous, on va essayer d'en savoir davantage. Composé de représentants de départements ministériels, d'experts juristes et économistes indépendants, de fédérations sportives et de partenaires financiers, la commission de réforme du sport en Côte d'Ivoire a rendu son verdict. Le résultat d'un avant-projet de loi relative au sport. Ça fait la quatrième fois qu'un avant-projet de loi va être présenté. Cela veut dire que les autres avant-projets n'ont pas eu l'aboutissement escompté. C'est, je crois, une des rares fois où les destinataires de la loi sont étroitement associés à l'élaboration de la loi. Ce mérite-là, vous le dites. Cela nous a facilité les choses. Diko Adama, président de la dite commission et ses commissaires, ont travaillé sur les 146 articles de l'avant-projet de loi, ce qui a permis la validation d'une première mouture de cet avant-projet, transmis au ministre des Sports Alain Le Bognon en vue de requérir ses avis et observations. Retenons que ces travaux se sont déroulés dans une atmosphère de responsabilité et de franche collaboration. 8 séances initialement prévues n'ont pas suffi pour le passage en revue des 10 articles. Une rallonge fut donc accordée du fait de l'importance des questions débattues. Monsieur le directeur de cabinet, ces conclusions, on va dire, ces travaux de réflexion aboutissent à quoi? Quels sont les grands traits de ces travaux? Je pense que les travaux ont abouti à des conclusions assez heureuses pour, en tout cas, le renouveau du sport en Côte d'Ivoire. D'aucuns parlent de la renaissance du sport en Côte d'Ivoire. Et à grands traits, il faut dire que ce texte aborde la question, les questions liées notamment à l'organisation du mouvement sportif en Côte d'Ivoire, à l'organisation aussi des acteurs du sport en Côte d'Ivoire, au financement du sport en Côte d'Ivoire. Et ce texte prévoit des dispositions pénales pour sanctionner tous les manquements constatés dans sa mise en œuvre. De quel texte il s'agit? Est-ce que c'est la loi sur le sport qu'on avait connue qui a été sortie pour être... C'est quel texte? Ce texte prend appui sur l'ancien texte qu'on appelle la loi, le projet d'Agobert Banzio. Il prend aussi appui sur les travaux, les conclusions des travaux des états généraux du sport de 2001 et de 2008. Mais aussi, les commissaires n'ont pas porté des œillères. Ils ont regardé ça et là pour voir ce qui se fait de mieux ailleurs. Ils ont pris, ils sont allés puiser dans le génie de ce qui s'est fait ailleurs pour l'intégrer dans le nouveau texte, ce qui a donné un texte plus élaboré, en tout cas en avance sur ce qui avait été proposé jusque-là. Oui, je voudrais dire que les innovations majeures apportées par ce texte consiste d'abord dans l'organisation du mouvement sportif. Il y a que aujourd'hui, les associations sportives et les fédérations sportives sont régies par le texte, le vieux décret de 1968, qui est aujourd'hui, au XXIe siècle, dépassé. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte marqué par la marchandisation du sport aujourd'hui. Il y a des enjeux nouveaux qui sont apparus avec les mutations que nous connaissons. Donc il fallait mettre le sport ivoirien au diapason, l'organisation de nos associations sportives et de nos fédérations sportives au diapason de ces évolutions-là. Notamment faire en sorte que, au niveau de leur organisation, il y ait des règles qui assurent le fonctionnement démocratique, qui assurent la gestion transparence, la gestion administrative et financière transparence, qui assurent aussi l'accès égalitaire des hommes et des femmes aux instances dirigeantes. Sans oublier les handicapés, bien sûr. Oui, le mouvement, les handicapés sont aussi pris en compte par ce texte-là. Et ensuite, il y a le financement du sport. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, c'est l'État qui est le plus grand pourvoyeur de fonds en matière de financement du sport. On a fait en sorte qu'on ait puisé ailleurs des ressources pour financer le sport en Côte d'Ivoire. Le texte prévoit des règles de financement de notre sport. Il y a aussi des dispositions pénales qui prévoit de sanctionner tous les manquements
aux règles édictées par la loi sur le concrètement, sport. Concrètement, cet aspect, concrètement, ça veut dire quoi? Un président de fédération peut être... On va... Non, je ne parle pas, je parle par exemple d'un centre. Le texte régit également, régit également les centres de formation. Imaginez-vous aujourd'hui avec la prolifération de tous ces centres de formation que nous constatons ça et là, et il n'y a pas de règles sanctionnant tous les manquements. Donc le texte vient pour dire que désormais, lorsque vous voulez ouvrir un centre de formation, il faut vous conformer à une certaine norme qui, faute de quoi, vous serez sanctionné avec les dispositions pénales contenues dans l'avant-projet de loi. Alors, monsieur le directeur du cabinet, ce que l'on peut vous reconnaître, c'est la représentativité des personnes qui ont assisté, qui ont fait partie de cette commission. Oui, nous avons voulu adopter une démarche participative, associer tout le monde à l'élaboration du texte. C'est pourquoi vous avez vu qu'à côté des experts indépendants siégeaient des dirigeants de fédérations sportives, des dirigeants de clubs sportifs, des personnalités issues du secteur économique, notamment le secteur de la téléphonie cellulaire, le secteur bancaire. Nous avons aussi des magistrats, des avocats qui sont venus participer, des journalistes sportifs. Nous avons invité tous les journalistes sportifs. Les deux tendances, les deux associations ont envoyé des représentants qui ont siégé. Et ce qui fait que le texte aujourd'hui est un compromis. Il doit le meilleur récit qu'il contient à la volonté de tous ceux-là de doter la Côte d'Ivoire d'un texte consensuel qui puisse vraiment régir au XXIe siècle notre sport. Alors, ce sont des propositions, monsieur le directeur de cabinet, on a parlé du projet d'Agoubert Banzio qui a eu le mérite, en tout cas au moins déjà de jeter les bases, et malgré ses lacunes. À quand le projet, la loi, l'Obognon? Oui, je pense qu'il fallait d'abord le mérite de ce qui vient d'être fait, c'est d'abord de recueillir le consensus autour de ce texte-là. Ça, il faut le noter, on ne le dit pas assez, mais il faut noter que aujourd'hui, vous avez écouté le président de la conférence des présidents de fédération lors de son allocution. Il a salué l'esprit qui a prévalu et il a salué aussi les dispositions pertinentes qui sont contenues dans ce texte. Ils se sont appropriés le texte. Ça, c'était important d'abord. Ensuite, nous allons continuer le travail de lobbying. Ils nous ont d'abord facilité ce travail-là, dans la mesure où, avec eux, nous sommes en phase. Ensuite, le processus est enclenché. Nous allons saisir le gouvernement, qui va, au cours du conseil de gouvernement, statuer sur le texte. Ensuite, ça va passer au Conseil des ministres. Et puis, le projet de loi sera soumis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Et c'est à partir de là que, si le texte, en tout cas, on l'espère, est adopté à l'Assemblée nationale, que le chef de l'État le promulguera et il deviendra loi de la République. Et force doit rester à la loi. Force doit rester à la loi et nous allons sortir de tout ce que vous avez constaté tout à l'heure. Absolument. Je pense que ce qui nous est donné de constater au niveau du handball part du fait qu'il n'y a pas de texte suffisamment élaboré pour régir ces questions. Les fédérations seront désormais dotées de statuts types. Tout le monde va se conformer à ces statuts types-là qui garantissent le fonctionnement démocratique. Parce qu'aujourd'hui, une oligarchie s'empare d'une fédération, ne veut pas partir. Et aujourd'hui, on voit autour de toutes ces fédérations-là, tous ces prédateurs qui rôdent et qui veulent battre monnaie des efforts des athlètes. Mais il faut arrêter cela. C'est ce que le texte va régler. Et je crois que le fait pour nous d'avoir obtenu vraiment le consensus autour du texte est déjà salutaire et je crois que le texte donne le meilleur de ce qu'il doit à la volonté des uns et des autres de sortir de cette situation. Je rappelle que vous êtes un cabinet magistrat, donc évidemment vous comprenez très bien. Les termes sont bien choisis. Très bien de quoi il parle. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le directeur de cabinet. Mais merci. Je pense que ça va être l'objet d'une émission spéciale. Oui. Parler vraiment des enjeux de ce projet, de ce texte-là. Nous invitons à être invités. Pour venir parler de ce texte-là. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, les enjeux sont tels que leur sport doit atteindre en tout cas les hauteurs qui sont vraiment à la dimension des performances de nos athlètes. Merci beaucoup, monsieur le directeur de cabinet. On va parler de la Ligue des champions, messieurs, dames, avec donc le CEO Sport de San Pedro, on va dire, qui finit bien la compétition, bien que l'État qualifié et le sachant. Donc pour les demi-finales, le CEO a tenu quand même à ne pas finir avec une défaite et un déplacement en Angola pour y affronter le Recreativo de Libolo d'Angola. Eh bien, le CEO qui avait déjà battu cette équipe à Abidjan au Champou 3-1, eh bien, se sont contentés de maintenir, comme dirait Ricardo Zaba, de maintenir le familial pour terminer en beauté. Les deux équipes étaient déjà éliminées, donc elles ont partagé la poire en deux.
deux buts partout donc entre le Recreatif de Libolo et le SOS Sport. Le Coton Sport a été battu à domicile par l'Espérance Sportive de Tunis, ce qui prouve bien que le faux pas du CEO finalement n'était pas un, c'était le respect simplement de la hiérarchie. Et puis dans l'autre poule, c'est l'AC Léopard vraiment qui a eu le mauvais comportement, l'AC Léopard qui était pendant longtemps donc qualifié pour les demi-finales et qui va finalement sombrer face aux Zamalek 4-1, permettant à Orlando Pirates, qui donc avait partagé la part en deux avec Alali, de se qualifier pour les demi-finales. Autant dire qu'il y aura du beau monde. Finalement, la hiérarchie est respectée. Je pense que le résultat du Coton Sport face à l'Espérance de Tunis nous donne plus de regrets. Mmh. Parce que si on avait gagné ce match contre le Coton Sport ici à Abidjan, le COE aujourd'hui serait en demi-finale. Malheureusement. Alors voici donc le classement des deux poules. Alali et les Pirates seront en demi-finale, tout comme l'Espérance et le Coton Sport. En tout cas, bravo COE pour une première expérience au niveau des poules. En tout cas, on va dire que c'est pas une si mauvaise affaire, même s'il y a des regrets, comme a dit Ange Asukro, le COE qui se repartira à l'assaut de cette phase de poule, rappelons-le, le COE champion de Côte d'Ivoire en titre, donc représentera la Côte d'Ivoire encore l'année prochaine dans cette Ligue des champions en compagnie de l'ASEC Mimosa. On va donc parler maintenant de Maracana. Le Maracana, on a dit, donc discipline de Côte d'Ivoire. Le Maracana, discipline très très pratiquée en Côte d'Ivoire et qui depuis quelques années est en train de partir à la conquête de l'Afrique. Ça a commencé par le Togo, le Bénin, le Burkina, le Niger et bien d'autres pays s'intéressent à cette discipline. C'était l'objet des échanges entre le président de la Fédération ivoirienne et ses homologues donc d'autres pays venus s'enquérir, n'est-ce pas, la pratique de cette discipline ivoirienne. Trois jours ont suffi à Kouyaté Sek Al-Mustapha, émissaire venu du Libéria, pour s'imprégner des rudiments et des techniques devant lui permettre de mieux vulgariser le maracana. L'hôte du président bleu Charlemagne a promis à soi une équipe compétitive et surtout une fédération forte. Le maracana, c'est un sport de fraternité, c'est un sport de l'amour, c'est un sport de solidarité. Il est venu du Libéria, c'est un pays qui est champion dans ça. Ça cause qu'il ait choisi une nationalité libérienne pour devenir représentant pour le trois pays, pour la Confédération africaine de maracana. Bleu Charlemagne a donc donné mandat à Kouyaté Sek Al-Mustapha pour mettre en place sa feuille de route qui consiste à implanter le maracana au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée-Conakry. Kouyaté Sek Al-Mustapha a rassuré qu'une fois organisé, les maracaniers libériens seront au rendez-vous du prochain championnat d'Afrique de maracana en 2014 au Niger. Voilà, le maracana donc qui petit à petit est en train d'étendre sa toile sur toute l'Afrique. La 33e édition de la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny aura lieu le samedi prochain, 28 septembre, à Yamoussoukro, au stade municipal. Ce sera la rencontre entre le champion de la saison écoulée, le CW Sport de San Pedro, le vainqueur de la Coupe nationale, l'ASEC Mimosa. Les deux formations donc, vont découdre au stade municipal de Yamoussoukro samedi prochain, sur le coup de 15h, temps universel. Et à l'occasion de cette compétition à Yamoussoukro, on va parler évidemment à Jasoukrou de la cérémonie, n'est-ce pas, qui récompense des lauréats de la saison 2013, qui aura lieu donc en marge de cette Coupe Félix Houphouët-Boigny. Et on connaîtra forcément les meilleurs joueurs de Ligue 1, de Ligue 2. Meilleurs joueurs, meilleurs entraîneurs, meilleurs gardiens. Meilleurs arbitres. Meilleurs arbitres dans toutes ces catégories. Ligue 1, Ligue 2, D3. Voilà, donc la fête sera du côté de Yamoussoukro. Évidemment, nous y serons donc pour vous relater toutes les péripéties donc, et du match et de cette cérémonie donc, de remise des récompenses aux lauréats de la saison 2013. Je vous invite à être à Yamoussoukro parce que ça va être une belle fête. Nous annoncerons du côté de Yamoussoukro. La rentrée scolaire n'a pas éclipsé les fins de vacances chez d'autres puisque les finales de tournois se disputent un peu partout en Côte d'Ivoire. On va commencer par le Moronou, final dans le Moronou et Amman. Les différentes compétitions de Maracana pour les vacances 2013 à Amman ont connu leur apothéose ce week-end. Du quartier Djoulabougou à Belleville, en passant par Domoro, Jean de la Menée, jusqu'à Libreville, les populations sorties en masse ont communié dans la paix avec le parrain Koné Amara, fils du Tambouille.
Il faut préciser que ces compétitions ont été placées sous le patronage du docteur Albert-Marc Britoakeus, président du conseil régional du Tonkouï, et en présence de la directrice régionale des sports et loisirs, Mme Edo. Notons qu'au terme de ces finales, 5 au total, le plus important n'était pas la victoire, encore moins la défaite. On a surtout parlé de cohésion sociale, de paix et de réconciliation. Kone Amara, le parrain de ces événements sportifs, a remis du matériel aux participants. Ce sont des jeux de maillot notamment, des ballons, des trophées, mais aussi, et ça ne fait pas de mal, des enveloppes. Côté artistique, le groupe Les Garagistes et l'humoriste Koro Abou ont apporté leur talent à la réussite de ces finales de Maracana, trophée Kone Amara, qui ont pris fin dans la région du Tonkouï. Afin de resserrer les liens de solidarité entre les jeunes des différents villages de Tiébissou, l'honorable Ourabrou, député de Tiébissou, a organisé un tournoi inter-village qui a regroupé 14 villages. La finale s'est déroulée à Moronou, sous-préfecture du dit village, entre les équipes de Moronou en maillot rouge et celle de Konlosou. L'objectif de ce tournoi, selon l'honorable Ourabrou, est de rapprocher et d'établir les liens de fraternité et de solidarité entre les jeunes des différents villages du canton Nanafoué. C'est l'équipe de Moronou qui a remporté ce tournoi inter-village sous un score de 1-0, but signé Kwadjo Kwadjo Hugues. Et on parle, on vous annonce également qu'en ce qui concerne le mondialito, donc cher à notre ami Jean-Claude Diacus, eh bien, c'est Osa 2 qui s'est imposé. On vous proposera les images certainement lundi prochain, finale donc du mondialito. On va partir maintenant du côté de Dabou et de Dikodougou. Là aussi, on a disputé des finales. À Badjankouté, dans la sous-préfecture de Sangon, était en fête ce dimanche 22 septembre 2013. Date choisie pour la finale du tournoi de la solidarité et de la réconciliation doté du trophée à Djibri Florent Nicodème. Le parrain à Djibri Florent et le chef du village, Coutouin Yorokoua Bertin, ont procédé au coup d'envoi de la finale qui a opposé All-Star en maillot rouge au Real Betis. Le Real Betis, bien préparé et plus efficace, va réussir deux buts, œuvre de Mobio Frédéric et Roland Derbis. Le capitaine Segou Evaris a été récompensé par le parrain Djibri Florent. Il y a eu également un tournoi de handball qui a réuni quatre équipes. Le tournoi de la solidarité et de la réconciliation d'Abadjan-Kouté s'est déroulé dans une bonne ambiance. Initiée par la jeunesse du département de Dikodougou, les finales du tournoi de la réconciliation et de l'unité ont démarré par la sous-préfecture de Guyembe. Après un mois de compétition, ce sont le football club de Guyembe 1 en rouge et de Tiégena en bleu qui accéderont à la finale. Les 90 minutes se sont soldées par le score de 1 but partout. À l'épreuve des tirs au but, le FC Guyembe 1, par 5 tirs au but réussis contre 4 pour son adversaire, s'est adjugé la coupe du colonel-major Issa Koulibaly, parrain du tournoi. La finale du tournoi.